Rencontre bilan des pôles de croissance ce matin à Ouagadougou. 2015 devrait voir des actions fortes pour créer un climat favorable à la croissance des performances. La coalition contre la vie chère annonce une journée de protestation contre la vie chère et l'impunité le 8 avril prochain. L'information a été donnée ce matin à la presse. Un attentat dans un campus universitaire au Kenya a fait une dizaine de victimes. Les islamistes Shebab qui revendiquent l'attaque ont pris des étudiants en otage. Le président Kenya appelle à la vigilance. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Mais avant de développer tous ces titres, nous jetons un coup d'œil sur le carnet d'audience du chef du gouvernement. Le Premier ministre a reçu hier une délégation de la SEE et ses institutions sœurs du Niger et du Sénégal, accompagnée d'un représentant des Nations Unies pour la lutte contre la corruption et la drogue. La lutte contre la corruption était tout naturellement au cœur des échanges. Claudine Bikaba. L'autorité supérieure de contrôle d'État ASE et la délégation des Nations Unies pour la lutte contre la corruption et la drogue, ainsi que des représentants des institutions sœurs de l'ASE, du Niger et du Sénégal, sont reçus ici par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Objectif de la visite, aborder des questions de lutte contre la corruption au Burkina à travers l'évaluation de l'ASE. Nous sommes ici en mission d'évaluation de l'ASCE. C'est depuis 6 ans que l'institution existe et nous sommes donc en train de regarder dans quelle mesure cette institution a pu accomplir ses missions et dans quelle mesure elle sera capable d'accomplir ses missions de demain. Parce que comme vous le savez, elle a acquis des nouvelles fonctions, en fait des nouvelles responsabilités, notamment par rapport à la déclaration des patrimoines qui vient d'être adoptée par le Conseil national de transition. Donc, la nouvelle législation de lutte contre la corruption. Et il faut donc voir dans quelle mesure cette institution, l'ASCE, est capable donc d'accomplir cette mission. Selon les hôtes du Premier ministre, ils sont là pour apporter leur expertise à l'ASCE afin de la renforcer pour qu'elle puisse lutter efficacement contre le phénomène de la corruption. Ce que nous constatons, c'est que l'institution s'est surtout focalisée sur l'inspection, sur l'audit, mais la lutte contre la corruption, notamment tout ce qui est le volet détection, répression, tout ce qui est poursuite au niveau de la justice, n'a peut-être pas pu satisfaire la volonté du peuple burkinabé ces dernières années. Et donc nous sommes en train de voir comment on peut renforcer cette institution, notamment en termes de son autonomie financière, les moyens de fonctionnement et également la capacité en termes d'effectifs et en termes d'agents formés, des gendarmes, des policiers, des officiers qui peuvent travailler au sein de cette institution pour vraiment enclencher une lutte contre la corruption. Il ne suffit pas d'avoir une loi contre la corruption, encore il faut avoir un organe qui va maintenant vraiment mettre en œuvre cette législation. Pour le représentant de l'ONU, au sorti de la mission, ils devront fournir un rapport avec des recommandations à même d'aider l'ASE à mieux assurer sa mission. 2015 devrait voir des actions fortes se dégager pour booster la performance des pôles de croissance. Au Burkina Faso, le comité de pilotage réuni ce matin autour du chef du gouvernement pour le bilan des pôles de croissance a pris des engagements dans ce sens. Maxime Zongo. Conformément à ses dispositions statutaires, le comité national de pilotage des pôles de croissance se réunit 2 fois dans l'année. Cette première session de 2015 était destinée à examiner et à adopter les rapports d'activité de 2014, mais aussi à présenter un plan d'action prioritaire 2015-2017. Aujourd'hui, nous avons fait un rapport d'étape et nous avons pris l'engagement de travailler à ce que, de manière beaucoup plus structurante, cette politique de pôle de croissance puisse être élaborée, adoptée et mise en œuvre. Certains membres d'entre nous, l'Union européenne y compris, apportons un appui concret, c'est-à-dire financier, à certains de ces pôles, mais nous tous,
collectivement, tous les jours, par notre appui à la mise en œuvre de la SCAD, nous contribuons à créer les conditions qui, d'une part, favorisent le développement des activités des pôles de croissance et qui, d'autre part, sécurisent, ça a été aussi un des sujets, mettent en confiance les partenaires privés. Les produits de niche ont un potentiel à valoriser pour accélérer la croissance et réduire la pauvreté, c'était le thème retenu. Un choix qui réjouit à plus d'un titre les acteurs du monde rural pour qui ce coup de pouce était très attendu. Vous voyez, dans les pôles de croissance, là, vous avez un certain nombre de produits, on peut considérer qu'ils ont déjà, si vous voulez, un marché potentiel. Mais ceci là, c'est des produits qui peuvent avoir une valeur ajoutée importante et qui, du fait justement qu'ils sont produits en quantité qui ne sont pas suffisantes, qui peuvent donc avoir et ramener beaucoup de sous pour ce pays. Prenez le cas du karité, prenez le cas du sésame. Et ce qui est plus intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, on comprend qu'après les agropôles, le gouvernement prend aujourd'hui l'option d'aller vers les niches qui va permettre donc d'accompagner les populations les plus vulnérables à travers donc cette promotion de ces opportunités d'activité et d'emploi dans les différentes régions qui vont permettre de réduire sensiblement donc la question de la pauvreté. Si en 2014 le bilan a été mitigé à cause d'un contexte difficile, 2015 devrait être une année de performance. Le gouvernement, pour sa part, insistera Yacouba Isaac Zida, mettra tout en œuvre afin de créer un climat propice et rassurant pour les investisseurs. Prochain rendez-vous en juillet à Bobo-Dioulasso pour la deuxième session de l'année. Le bureau de l'Union provinciale des producteurs de coton du Houé dément les accusations lancées contre lui par un groupe de cotonculteurs. La semaine dernière, il rassure les représentants des 13 départements que le bureau n'est ni parallèle ni illégal. La rencontre a permis de parler aussi de la campagne cotonnière à venir à Hadis Andamba. C'est une rencontre pour répondre à leurs détracteurs. Le bureau provincial des producteurs de coton du Houé, mis en place le 13 mars dernier et traité d'ailleurs d'illégal par l'ancien bureau, dit tenir cette rencontre pour tirer les choses au clair. Pour Bakary Traoré et ses camarades, le nouveau bureau n'a rien d'illégal car il a été mis en place conformément aux statuts et règlements intérieurs. Et aujourd'hui, c'est le nouveau bureau qui accuse l'ancien de malversation financière avec des documents à l'appui. Le détournement fait par Abou Ouattara, parce que quand on n'était pas au courant, vraiment donner 1 500 000 à Tanouté, le président de Faux, et 500 000 à Karim Ouattara, qui est un producteur de son département, et puis 12 150 000 francs pour les semenciers, vous voyez, pour payer l'engrais de l'État et rembourser. Et si Gabriel de Toussaint, 11 750 000 francs pour payer les noix de Anakad. C'est des fautes lourdes. Et 2 ans sans bilan. Et depuis novembre, on n'a pas de rencontre mensuelle. C'est pourquoi donc, sur convocation des 2/3 des membres de l'Union, l'Assemblée générale extraordinaire du 13 mars 2015 a décidé de dissoudre le bureau de l'Union provinciale du Houé et remettre en place un nouveau. À cette rencontre, les producteurs du Houé déclinent toute implication de Karim Traoré, le président national, dans la mise en place du dit bureau. Du même coup, ce groupe de cotonculteurs se démarque de ceux qui réclament le départ du président national. C'est l'Assemblée qui doit décider de dissoudre le bureau de l'UNPCB, non pas des gens qui vont quitter pour venir chasser. C'est pas possible. Les textes sont clairs. Si les textes sont pris, l'Assemblée décide à Karim, en plein midi, il va partir. Mais pour l'heure, la préoccupation majeure des producteurs de coton du Houé, c'est la préparation des champs, a souligné Bakary Traoré. Et séance tenante, il s'est engagé à saisir l'UNPCB et la Sofitex pour qu'elles mettent à leur disposition les intrants suffisants pour entamer la campagne cotonnière 2015-2016. Et la grippe aviaire qui fait son retour au Burkina Faso, le ministère des Ressources animales a pris des mesures pour faire face à la situation des dispositions qui ont été dévoilées aux hommes de médias en présence de Eleonore Ouédraogo-Yerbanga, qui s'est ensuite rendue dans une ferme où une centaine de milliers de poules ont contracté le virus H5N. Suivons son constat. Des poulaillers vides, aucune poule sur les pondoirs. La ferme Mablaou dans le département de Koubri, qui jadis élevait plus de 118 000 poules pondeuses, est aujourd'hui déserte après le passage de l'influenza aviaire ou grippe aviaire.
une maladie infectieuse et contagieuse causée par un virus. La maladie entraîne une mortalité importante et rapide et à la ferme de Koubri, tout s'est passé en moins d'un mois. Au 1er mars, nous étions à 119 780 poules en pleine ponte dans trois bâtiments industriels. Au 30 mars, nous avions zéro poule. En plus de la ferme de Koubri, deux foyers de la province du Sangué ont aussi été infectés par le virus, conduisant le gouvernement burkinabé à déclarer officiellement la circulation de souches hautement pathogènes de l'influenza aviaire au Burkina Faso et à prendre des mesures à même d'éviter la propagation du virus. De façon très très énergique, des abattages dans certains poulaillers qui étaient infectés. L'incinération des cadavres, donc la destruction des cadavres par le feu, la désinfection, et il y a eu la mise en œuvre, il y a un rotulure qui a été mis au niveau du CEPAVI pour éviter que les allers-retours des usagers ne puissent contribuer à disséminer le virus. Donc tous les poulaillers qui étaient occupés ont été mis sous vide sanitaire. Les pertes qui sont actuellement enregistré tournerait autour de 4 750 000 à peu près. La grippe aviaire pouvant affecter des personnes en contact étroit avec la volaille morte, l'incinération est donc imminente. Pour la consommation de la volaille, il n'existe pas de risque pour peu que la viande soit cuite à point. Lorsque la volaille elle est bien cuite, il n'y a pas de risque. Le premier niveau, c'est d'éviter de consommer de la viande qui n'est pas bien cuite. C'est d'éviter de manipuler des cadavres. Pour ces infections au Burkina Faso, le ministère soupçonne de la volaille importée du Ghana. Et pour la riposte, il entend dès la signature des décrets procéder aux abattages des poulets suspects dans les provinces du Kadiogo et du Sangué et à l'indemnisation des propriétaires. La coalition contre la vie chère revient à la charge pour dénoncer la vie chère et l'impunité au Burkina Faso. La CCVC annonce une journée nationale de protestation le 8 avril prochain sur toute l'étendue du territoire burkinabé. L'information a été donnée à la presse ce matin. Ousmane Drabo, Claudine Bikaba. Le 8 avril prochain, la coalition contre la vie chère CCVC organise une journée nationale de protestation sur toute l'étendue du territoire national. L'impunité, la restriction des libertés individuelles et collectives, la vie chère constituent principalement les points de la plateforme revendicative. La journée nationale de protestation se déroulera sur l'ensemble du territoire national et comprendra ce qui suit. Une grève générale de 24 heures des travailleurs du public et du privé, ainsi que des élèves et étudiants. Deuxièmement, un grand meeting à la place de la Nation à Ouagadougou à partir de 9 heures. Et troisièmement, des marches meetings, assemblée générale, sitting et bien d'autres formes d'action ou de manifestation dans les différentes localités de notre pays. Sur la récente déclaration du Premier ministre mettant en garde des manifestations spontanées, la coalition affiche son indignation. Que c'est dommage et surtout révoltant. Révoltant parce que le Premier ministre menace ceux-là par l'action, par le sacrifice desquels il est aujourd'hui à sa place. C'est insultant pour le peuple burkinabé, c'est insultant pour la mémoire de ces martyrs-là que de tenir de tels propos menaçants. La CCVC appelle par ailleurs les autorités de la transition à se pencher plus sur les préoccupations de l'heure plutôt que de ne viser uniquement l'organisation des élections. Autre point de l'actualité, les chercheurs du consortium RENXEL Africa présentent leur dernière trouvaille au public. Il s'agit d'un nouvel outil de mesure de la pluviométrie en utilisant les pylônes des réseaux de téléphonie mobile. Ruffin Bationo, Claudine Bikaba. Pour
mesurer les quantités d'eau tombée, le Burkina Faso a désormais un nouvel outil. Il s'agit de l'utilisation des pylônes des réseaux de téléphonie mobile pour estimer les précipitations en Afrique subsaharienne. C'est une initiative de Runcell Africa, un réseau de chercheurs internationaux en partenariat avec l'Université de Ouagadougou. Vous savez donc que quand il pleut, il y a une diminution du signal transmis donc par les liens de téléphonie cellulaire. D'un pylône à l'autre, il y a diminution. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est de la matière. Il y a une partie de l'onde transmise qui est absorbée, une autre partie est diffusée, comme un miroir. Alors, de l'autre côté donc, du pylône, il peut y avoir baisse donc, de l'intensité donc, du signal. Alors, les opérateurs ils suivent régulièrement pour savoir quelle est l'intensité qui a baissé. Voilà. Nous, notre travail a consisté donc, à prendre cette quantité donc, qui a disparu pour convertir, pour faire le lien avec la quantité d'eau qui est tombée. Cette innovation dans le domaine de mesure de l'eau sera d'un immense appui au service des météorologies burkinabè, selon son directeur général. Cette nouvelle technologie est une technologie qui cherche en fait à renforcer le réseau d'observation par le biais d'une nouvelle technologie qui vise donc à voir comment on peut pouvoir estimer et la quantité d'eau précipitable, la qualité donc des précipitations dans des zones qui ne sont pas couvertes par le réseau d'observation. Donc à plus d'un titre, cela nous permettra donc d'avoir une idée sur les quantités d'eau précipitable dans les zones qui ne couvrent pas notre réseau d'observation. Réunis ici, les membres du consortium Runcell Africa se sont aussi penchés sur le développement des collaborations scientifiques et méthodologiques nord-sud et la lutte contre la vulnérabilité des populations. Allons à présent à Bougandé, dans la Nyanya profonde et métallique qui visiblement n'a pas beaucoup évolué depuis cette appellation. Pas d'accès à l'information parce que pas de journaux à cause de l'enclavement routier. Internet 3G pratiquement inexistant. Seule une radio tente de combler le vide médiatique. C'est Karim Patrick Namwano qui a fait le constat pour nous. Le monde est un village planétaire grâce à l'Internet, dit-on. Mais Bougandé semble n'avoir pas sa place dans ce village. Le web est un mirage ici. Les cyber n'existent que de nom. Il y a certes des ordinateurs, mais la toile se fait désirer. Le débit est très faible. Ça, c'est un. Et voir souvent, il n'y en a pas. Souvent, dans la soirée comme ça, impossible de se connecter même. Mais c'est très, 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 très difficile. À Bougandé, on n'a pas accès à ADSL. ADSL n'est pas encore arrivé à Bougandé. Donc, la 3G non plus. Donc, on est obligé de se connecter soit avec la 2G, soit avec la ligne téléphonique. Du coup, quand le correspondant des éditions Le Pays collecte l'information, il imagine déjà les difficultés pour envoyer son papier à Ouagadougou. Ils envoyaient par support papier avec les sociétés de transport. Donc ça peut faire 2-3 jours pour arriver parce qu'il n'y a pas d'internet. Et bon, tout dernièrement, il faut dire que c'est des clés de connexion, on l'utilise et ce n'est vraiment pas facile. Yarga Larba a tout de même l'opportunité de revoir ses articles publiés dans Le Pays à Bougandé. Ici au marché, Jean Sinini est le seul distributeur de journaux. Sur ses étals, on trouve 6 parutions ivoiriennes contre 3 journaux burkinabé. Sidoya et l'Observateur Palga n'y sont pas vendus depuis de nombreuses années. C'est le moins qui me manque, puisque l'Observateur demande 80 000 francs par cochon. Et puis, c'est vrai aussi demande comme ça. Bon, alors que les autres. Bon, il dépose seulement, on va et puis on nous envoie de l'argent. La mévente est énorme, mais parmi quelques fidèles lecteurs figure cet animateur de radio. Les journaux, ils les achètent pour la revue de presse, en Morée, en Goumantiéma et en Foulfoulde. Après la discernement, c'est d'isoler les informations qui peuvent surtout nous intéresser ici dans la Yaya. Parce qu'il y a certaines informations, bon, on ne s'attarde pas là-dessus. Et juste après ça, à nos sessions, nous avons des animatrices qui vont traduire directement du français en Goumantiéma ou en Morée, Foulfoulde. Radio Diawampo couvrant environ 8 provinces synchronise avec le journal parlé de la Radio Nationale et de Radio France Internationale.
Au-delà des informations, le média sensibilise. Il y a eu beaucoup de changements à notre niveau. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'assainissement, la radio a tellement éveillé les gens. Parce que si tu n'es pas informé, tu ne peux pas aller en avant. L'information est un droit, mais à Bougandé, son accès est loin d'être un acquis pour tous. Et on parle relance de la planification familiale avec les acteurs du domaine qui se sont réunis à Ouagadougou pour partager les résultats du projet pour l'amélioration de l'accès des populations aux services du planning familial mis en œuvre par le ministère de la Santé et ses partenaires. Ils discuteront aussi pérennisation des acquis du dit projet. Wendata Nathalie Kaori. Avec en moyenne 6 enfants par femme, le taux de fécondité au Burkina Faso reste parmi les plus élevés. Cette statistique émane du ministère de la Santé qui ajoute que le taux de mortalité maternelle est de 341 décès pour 100 000 naissances vivantes. Mais ces décès pourraient être évités à 30% en améliorant les services de planification familiale. C'est ainsi que le ministère de la Santé et ses partenaires ont mis en œuvre un projet pour l'accès des populations aux services de planification familiale. Dans le cadre de ce projet, 25 sites ont été identifiés pour offrir des services pendant la période appelée postpartum. Le postpartum, c'est l'utilisation des méthodes contraceptives immédiatement après l'accouchement. Immédiatement après l'accouchement, souvent, pour le DU dont nous parlons aujourd'hui, et cette méthode contraceptive peut être mise directement dans la salle d'accouchement même. C'est une méthode qui nous permet déjà de prévenir des grossesses qui peuvent survenir immédiatement. L'ONG Daipeigo, spécialisée dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, soutient le ministère de la Santé dans ce projet. Pour cette ONG, les résultats du projet sont appréciables, mais il y a encore des obstacles à surmonter. Le dispositif intra-utérin, pour le mettre à une femme, il faut un matériel d'examen gynécologique. Et les structures qui sont très périphériques n'ont pas la possibilité de stériliser ce matériel. Et justement, c'est un obstacle à la disponibilité de ces services dans ces structures très périphériques. C'est une des leçons que nous en avons tirées. Les obstacles constatés dans la mise en œuvre du projet feront l'objet de discussions à cette rencontre. Le but étant de parvenir à un fort taux d'utilisation du dispositif intra-utérin dans les services de santé. Retour au Burkina où la messe chrismale de bénédiction des huiles saintes des malades, des catéchumènes et la consécration du Saint-Crème, c'était ce matin à l'archidiocèse de Ouagadougou qui a choisi l'église Saint-François de Sales de Pabré pour la messe chrismale a été célébrée en présence de Nathalie Sawadogo Nabaloum. L'église Saint-François de Sales de Pabré. C'est ici que les prêtres du diocèse de Ouagadougou ont choisi pour célébrer la messe chrismale dans le cadre du Triduum Pascal, une célébration de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Occasion pour les serviteurs de renouveler leurs promesses, celles prises lors de leurs engagements sacerdotaux. C'est donc un réengagement qui est pris ici devant les fidèles chrétiens et en présence du cardinal Philippe Nakelegba Ouedraogo. Et comme il est de coutume, cette célébration a été marquée par la bénédiction des huiles saintes. Au cours de cette messe, nous bénissons trois huiles. Chaque huile est très spécifique. L'huile des malades, c'est pour assister les malades, leur donner la santé du corps et de l'âme. L'huile des catéchumènes, c'est pour rendre les catéchumènes forts, pour qu'ils puissent lutter contre le mal, le péché, et qu'ils soient de véritables fils de Dieu. Et enfin, le Saint-Crème, qui sert pour les sacrements à caractère indélébile. Le baptême, on le reçoit une seule fois. La confirmation, le sacerdoce, la dédicace des grandes églises. Ce fut une occasion pour le cardinal de conseiller les serviteurs de Dieu à honorer leur serment. Il a également demandé aux fidèles laïcs de continuer de prier pour les prêtres afin qu'ils conduisent dans la vérité et la droiture le peuple de Dieu. Le contexte sociopolitique actuel du Burkina Faso n'a pas été occulté. Nous sommes solidaires avec notre peuple et nous voudrions accompagner tous les protagonistes. Alors qu'il y ait beaucoup de retenues, que chacun privilégie l'intérêt commun
le bien de l'ensemble par rapport au bien particulier. C'est dans cette mesure que nous allons réussir la transition pour un Burkina plus heureux pour tous. La messe chrismale est l'une des principales manifestations de la plénitude du sacerdoce de l'évêque et le signe de l'union étroite des prêtres avec le Christ. Culture à présent, le festival des masques de Pouni était dédié cette année à la paix et à la cohésion sociale. L'association des Amis du Masque reste convaincue que la culture est un cadre fédérateur des efforts des communautés pour la paix sociale et le développement économique endogène. La 14e édition de cet événement culturel, c'était du 27 au 30 mars dernier, Jonas Wamba. Après 25 années de vie, le Festival des Masques de Pouni dans la province du Sangué s'érige en véritable vitrine culturelle de la localité. Pour sa présente édition, 14e du genre, c'est une trentaine de troupes issues de différentes sociétés de masques qui ont rivalisé d'ardeur à la danse. Chaque masque voulant montrer aux autres son savoir-faire par des pas énergiques, bien enlevés, rythmés au son d'un orchestre de griots initié à cet effet. Le seul point commun entre eux, leur représentation sous forme animale est variée. Vous avez les masques zoomorphes, et les cobas, les bibales, les bœufs, les buffles. Bon, nous qui sommes initiés, nous apprécions la façon dont chaque masque démontre qu'il peut danser plus que l'autre. Mais c'est le même chant, mais c'est comme on dit à la pachanga, hein, tout le monde ne danse pas de la même façon. C'est un peu comme ça. Et sinon, vraiment, je suis satisfait pour ce qui s'est passé cette année. Un spectacle offert à une foule de curieux et d'admirateurs. Mais cette 14e édition ne semble pas répondre aux attentes de certains festivaliers. Contrairement à la précédente, je crois que cette fois-ci, il n'y a pas assez de masques. Par exemple, des masques de boucher, nous n'avions jamais vu ces genres-là. Bon, c'est des espèces qu'on était venus pour voir. Malheureusement, on n'a pas eu ces masques-là. Le manque de moyens justifierait l'absence à ce rendez-vous d'autres sociétés de masques, comme celle des provinces du Namentenga et du Nayala. Ce festival, qui est organisé par l'association Les Amis du Masque, vise à promouvoir la richesse culturelle du terroir. Et la revue de presse des quotidiens de la place pour finir. Les journaux ont été lus pour nous par Jacques Lamissa Tarpaga. Le changement pacifique de pouvoir au Nigeria est bien perçu par de nombreux quotidiens ce jeudi. Et justement, dans son regard sur l'actualité, l'observateur Palga pense que le Nigeria vient ainsi de rentrer dans le cercle très fermé des pays africains ayant connu un changement aussi radical sans heurts ni violence. Cependant, le quotidien se dit bien curieux de savoir ce que cet ex-militaire de 72 ans, dictateur converti aux vertus démocratiques, fera de sa victoire dans un pays où il est plus facile de gagner les élections que de gouverner. Parmi les défis de Muhammadu Buhari, il y a le cancer Boko Haram. Le journal estime du reste que c'est sur la question sécuritaire qu'est le plus attendu l'ex-militaire. Contrairement à l'Obs, aujourd'hui au Faso affirme que le Nigeria rentre dans le cercle de plus en plus large des pays africains qui rompent avec les successions dynastiques à la tête de l'État. Et c'est devant le mur Boko Haram qu'on attend le maçon Buhari, nous dit le quotidien. Un autre chantier relève aujourd'hui au Faso, c'est la corruption au Nigeria. Le journal se demande si le teigneux Buhari pourra agir comme un détergent coriace dans cette crasse grâce. Pour le quotidien, titre du journal, il s'agit tout simplement de leçons pour l'Afrique. Du jamais vu, s'exclame notre confrère, qui écrit que c'est une prouesse, un président candidat à sa propre réélection est battu. Deuxième exploit selon le quotidien, le vaincu accepte sa défaite et félicite son challenger. Du reste, le quotidien salue cette attitude de good luck. Il a préféré avoir l'élégance d'un Watt plutôt que d'afficher l'intransigeance d'un Gbagbo, peut-on lire dans les colonnes du journal. Revenons au Burkina Faso où le pays consacre son analyse à la plainte portée contre des membres du régime passé par le mouvement burkinabé des droits de l'homme. Le journal salue le courage du mouvement qui pose ainsi des actes historiques. Le pays relève les tergiversations de la transition sur ces dossiers et se demande si cette transition n'est pas ainsi mise dans ses petits souliers par l'action du MBDHP. Notre confrère, pour conclure, pense que les Burkinabés, à la suite du jugement des crimes de sang, aspirent à connaître la vérité sur les crimes économiques. Et cela donnera tout son sens au slogan « Plus rien ne sera comme avant », estime le pays dans son dialogue intérieur.
On s'arrête ici pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne soirée à tous et à toutes.